Bonjour à tous et à toutes, c'est Morgane et on se retrouve pour quelques petites infos sur la bêta de Diablo 4 puisqu'il y a une nouvelle phase de bêta, donc si vous ne savez pas tester, c'est l'occasion ce week-end, donc du 12 au 14. Et également les récompenses, c'est surtout ça que je voulais vous parler, puisqu'il y avait trois récompenses qui étaient déjà là sur les bêtas précédentes. Et il y en a une nouvelle qui vient de rejoindre le groupe, donc il y a quatre récompenses à obtenir pour le jeu final. Il y en a deux, c'est des titres, hein, atteindre Kyovashad, ça c'est très simple, vous avez juste à lancer le jeu au bout de quelques dizaines de minutes, vous y serez. Et atteindre le niveau 20, ça le niveau 20, vous l'avez, moi j'avais fait du coup avec la sorcière, j'avais fait le test, ça prenait 4 heures, ça vous donne un ordre d'idée du temps que vous avez besoin pour atteindre ce niveau 20. Après par exemple les donjons ça level up très vite, ça dépend si vous voulez faire l'histoire ou pas, c'était en faisant l'histoire 4 heures. Et donc en atteignant ce niveau 20 vous avez donc le fameux pack cosmétique avec le petit loup dans la capuche, beaucoup trop mignon. Et la nouveauté c'est que donc il y a également une récompense qui est un skin pour la monture, puisqu'il y aura des montures hein, dans Diablo 4, qui à obtenir si du coup vous tuer le boss Ashava, hein, donc le world boss qu'on a déjà vu, vous l'avez aussi sur ma chaîne, et donc avec un personnage de niveau 20, eh bien vous tuez ce boss et vous aurez cette récompense pour le jeu final. Voilà pour les petites infos. Pour ma part je serai en live à 21h ce vendredi pour remonter un voleur avec un pote. Ça fait toujours plaisir, c'est l'occasion. Et puis du coup, pour obtenir la récompense, bien entendu, récompense qu'on pourra obtenir qu'à partir de samedi d'ailleurs. Normalement, samedi 18h, le premier World Boss, il sera pas là ce vendredi. On pourra pas poncer toute la nuit. Et ce sera aussi l'occasion pour moi de tester sur ma toute nouvelle config, puisque je me suis monté une nouvelle config qui est bien plus efficace. Donc ça devrait être bien mieux pour vous niveau qualité de vidéo, je l'espère. On se dit à très vite, bien entendu.